Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec le site Se Loger et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine, un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2023. Donc cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous. En notamment ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois avec nos conseils. Donc sans plus attendre, commençons. Donc on est ici sur mon écran, on est sur le site seloger.com. Donc seloger.com, pour les gens qui ne connaissent pas encore, c'est un des sites les plus populaires quand il s'agit de location immobilière ou d'achat immobilier en France en 2023. Donc on peut faire un tas de choses, par exemple chercher des appartements. Donc par exemple, je cherche un appartement à Paris pour un budget max de 600 euros et je vais mettre louer. Donc je cherche à louer un appartement mensuellement max 600 euros. À Paris. Regardez ce que ça donne. Nous avons à l'heure actuelle 0 achat. Donc on va changer un peu les critères. On va mettre pour un budget max de 800 euros. Un budget max de 800 euros. Donc je reprends. On cherche à loger. On cherche à louer. On cherche à louer à Paris pour budget max de 700 euros. Et là, je trouve des choses un peu intéressantes. On va voir que là, pour 650 euros charges comprises, on a un studio dans le 16e à Auteuil. Je vais cliquer dessus et je vais voir ce que ça peut donner. Je regarde les photos. Donc le studio a l'air pas mal. L'objectif, c'est de regarder toutes les photos. On regarde toutes les photos ici. Donc ok, c'est pas mal. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? Quand on a trouvé un logement, l'objectif, bien évidemment, c'est pas de résider à l'intérieur. Ça va être en fait de le louer ensuite sur des plateformes comme Airbnb et Booking. Pour cela, c'est très simple. Donc du coup, la première étape, c'est vraiment d'aller sur Se Loger, de louer un logement, comme si on allait être locataire. Mais ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer ce bien sur Airbnb et